Bonjour à tous et bienvenue sur Gamerside, c'est Driftwood pour un nouveau Gamerside Offline qui va vous emmener, qui va vous permettre de faire une plongée dans vos souvenirs puisque j'ai reçu, alors c'est assez rare pour le signaler, hein, depuis quelques années, on obtient généralement des jeux via des codes de téléchargement, mais il se trouve que j'ai eu la surprise, alors que ce n'était d'ailleurs pas une demande de ma part, de voir arriver à 2-3 semaines d'intervalle deux colis de chez Microids, figurez-vous, avec des versions boîte d'un certain nombre de jeux, 4 ou 5 jeux en tout. Un dont j'ai déjà parlé, hein, c'est Schtroumpfkarte, que j'avais déjà eu l'occasion de tester sur le site, hein, je vous renvoie sur le petit avis que j'avais déposé, et sur la vidéo de gameplay aussi, qui se trouve à la fois sur le site et sur la chaîne. Mais également donc une série de jeux que, bah, qui me rappellent moi aussi des souvenirs, même si je n'ai jamais eu l'occasion de découvrir leur version actuelle. On va commencer avec Arkanoid Eternal Battle, qui est un jeu qui est sorti il y a quelques semaines déjà, peut-être même quelques mois, je vous l'avoue, je n'ai pas vérifié, et qui remet sur le devant de la scène un casse-brique culte des années 80, puisque le jeu était sorti au départ en arcade en 1986, avant d'être adapté sur un petit peu toutes les plateformes de l'époque et les micro-ordinateurs. Personnellement, moi, j'y ai joué, je ne pourrais pas vous dire l'année, mais sur un vieux PC 15-12, écran CGA 4 couleurs, avec des disquettes 5 pouces 1 quart. Et c'est un jeu sur lequel j'ai passé pas mal de temps, ma foi, parce que à l'époque, les casse-briques, c'était quelque chose d'assez en vogue, finalement. Il y avait aussi Popcorn, je crois qu'il était français, d'ailleurs, me semble-t-il, auquel j'avais pas mal joué, même si c'est quand même Arkanoid sur lequel j'ai passé le plus de temps. L'occasion de découvrir dans ce Gamerside Offline 3 jeux assez anciens. On va commencer donc par celui-là que je vais lancer. C'est un jeu PlayStation 4, mais que je fais tourner donc sur PlayStation 5. Je ne vais pas sortir la PS4 Pro de son placard aujourd'hui, juste pour ça. Et puis voilà, on va essayer de faire, allez, on va dire 20 minutes par jeu, puisque j'ai 3 jeux à vous montrer. On va avancer dans le temps petit à petit. On commence en 1986 avec Arkanoid, et puis je vous laisse la surprise pour les deux autres, même si j'imagine que j'aurais mis un chapitrage pour que vous sachiez à quoi vous en tenir. Donc, allez, c'est parti pour 20 minutes d'Arkanoid Eternal Battle, qui a une dimension multijoueur, en ligne d'ailleurs aussi bien qu'en local. Et en ligne, c'est un aspect plutôt moderne, puisque le jeu est devenu une sorte de battle royale où on va s'affronter jusqu'à un boss, si j'ai bien compris. Alors moi, je ne vais pas m'amuser à ça. On va regarder rapidement. Il y a donc un mode néo, il y a des leaderboards. J'ai vu marquer un mode rétro. Tiens, est-ce qu'on peut voir, oui, justement, l'original. Ok, je n'ai jamais joué en arcade. Mais quand même, non, je me souviens même pas si. Alors moi, j'étais en 4 couleurs, donc j'avais pas tout ça. Et évidemment, alors moi, je ne sais plus si à l'époque j'y jouais quand même avec une souris, me semble-t-il, sur PC 15-12. J'ai beaucoup joué au clavier aussi, parce qu'il n'y avait pas trop de joystick à l'époque sur cette machine, sur les IBM PC compatibles. Et donc c'est quoi un casse-brique, hein, pour les petits jeunes qui connaîtraient pas et qui seraient égarés sur internet et qui auraient fini sur Gamerside ou sur la chaîne? Et bien c'est tout simplement faire rebondir une balle sur des briques et les détruire toutes, tout en évitant de perdre la balle ou la boule, et en évitant les ennemis aussi. Et bon, c'est relativement maniable, le jeu original, pour un jeu que j'imaginais assez mal pensé pour la manette au départ, en tout cas pour le pad, même si j'imagine qu'il y a dû avoir aussi des versions console. Je sais plus si on croit qu'on peut les détruire comme ça. Et on entend les bruits de fond de la salle d'arcade, que je n'avais évidemment pas à la maison, mais les bruitages étaient assez basiques, hein, sur PC 15-12, comme vous pouvez vous en douter. Donc il y avait différentes, voilà, ça c'était le bonus qu'on voulait tous avoir, puisque ça permettait de détruire les briques très rapidement. Et c'est un concept qui n'a pas finalement tellement vieilli. Ah, je me rappelle de ce stage. C'était une belle période. C'était aussi une période de jeu difficile quand on jouait mal. Mais c'était une belle période parce que finalement, moi, j'ai grandi avec les jeux, et j'ai surtout vu les jeux grandir avec moi. Et ça, c'est quand même une grande chance.
Même si j'imagine que les petits jeunes d'aujourd'hui sont bien contents de peut-être avoir échappé à tous ces jeux un peu basiques, mais c'était un concept qui était malin et qui fonctionnait bien. Ouh là là, on va aller jusqu'à la fin de mes vies, ça risque de pas trop tarder parce que là j'ai pas l'air bien engagé. Heureusement que j'ai la grande, mais alors je vais changer et ça va peut-être pas. Il y avait celle qui collait aussi, je sais pas ce que fait le bonus que j'ai pris. Bon voilà, c'est fini. Est-ce qu'on peut continuer? Ouais, on peut continuer. Est-ce qu'on peut continuer? Ouais. On est au début du stage. Ok, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que hop, on va quitter. Maintenant, vous avez vu ce que c'était le jeu. Donc là, je pense que c'est ça. On est en ligne contre 25 joueurs en ligne. J'ai mon camarade Régis Monterrain, qui est donc un auteur très célèbre, puisqu'il a écrit récemment l'histoire de Sega en 2 volumes, que je vous invite à offrir peut-être à Noël à tous les gens qui s'intéressent à l'histoire de Sega, parce que c'est assez... moi je l'ai pas lu malheureusement, mais apparemment c'est assez fou parce que bien sûr Sega n'a pas commencé par le jeu vidéo et du coup il était remonté très très loin, il a fait beaucoup de recherches et donc il a aussi écrit l'histoire de Donkey Kong et plein de bouquins dont aussi une sorte de d'encyclopédie un peu plus de la vulgarisation pour les jeux vidéo dont j'avais déjà parlé, dont j'ai oublié le titre parce que voilà, je suis quelqu'un qui vieillit. Il écrit sur JV, il écrit sur pour Pix & Love, etc. Donc c'est quand même quelqu'un de très connu dans le milieu et très sérieux. Et il a un petit blog qui s'appelle terredejeux.net, je crois, et qui lui permet de poster quelques articles qu'il peut d'ailleurs partager sur d'autres canaux, comme d'ailleurs JV. Des choses un peu axées rétro, bien sûr, mais pas que. Et donc là, récemment, il a parlé justement d'une salve de jeux Microids, dont Arkanoid. Et apparemment, lui qui a essayé un peu plus l'aspect multijoueur, eh bien, il se trouve que il n'y a pas beaucoup de gens, malheureusement. Ça a moins marché que le Tetris, qui a fait aussi son grand retour il n'y a pas très longtemps. Donc vous voyez qu'on est quand même dans quelque chose. Ah, les 3 balles. Je jouais pas trop au flipper hein, quand j'étais gamin, parce que j'ai jamais trop aimé ça. Mais je me rappelle avoir eu un jeu électronique, parce qu'on avait aussi des Game & Watch, bien sûr. Et que j'avais un jeu de flipper avec les 3 balles, c'était quand même bien pratique. Les 3 boules, d'ailleurs. Ah, ralentir c'est pas mal, même si du coup j'ai quand même raté la mienne. Donc là on est dans le mode solo, j'ai envie de dire, donc sans doute moins intéressant. En tout cas à la base j'imagine que c'est pas ce qu'ils espéraient vendre. Ils espéraient plutôt que la partie et la dimension multijoueur attirerait les gens. Et j'espère pour eux que ça va changer, parce que comme je le disais, la maniabilité est plutôt réussie. Et puis bon, l'idée d'un Arkanoid multijoueur battle royale, pourquoi pas, finalement c'est l'évolution peut-être logique, peut-être qu'ils arrivent un peu tard, mais ouais, je trouve ça quand même assez sympa de se dire qu'on peut redécouvrir Arkanoid. Et je pense que je vais le faire essayer à mon grand-fils. Oula. Histoire de voir comment il réagit, ce qu'il en pense de ce genre de concept. Il faudrait que je lui fasse aussi jouer à Tetris sur la Game Boy. Ou ça, c'est ça, par contre, il n'y avait pas avant. En tout cas, pas dans le premier Arkanoid. Ou alors j'ai... Ah non ! Elle a encore 2 vies. Bon, la musique, c'est pas forcément trop mon délire, mais... Il en faut pour tous les goûts, hein. Ça va avec l'esthétique, on va dire. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait, hein ? Oups. Alors est-ce que... Ah oui, si, c'est ça. Il y a aussi des touches avec les touches, les deux gâchettes. Eh bien, on peut se déplacer beaucoup plus vite pour aller d'un bout à l'autre de l'écran. Ce qui est vachement bien, finalement. Alors, je sais pas si j'y arriverai. J'ai pas non plus le tenter exprès, parce que je sais bien que je vais rater mon coup. Oh, bah, si, ça marche. Sauf que, vous voyez, je l'ai pas enchaîné. J'aurais bien vu, plus qu'à tant qu'à revenir dans les années 80-90, j'aurais bien vu comme BO les compilations à synthétiseur 1, 2, 3, 4, je ne sais quoi, ça aurait été pas mal. Oh là 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 là, quelle misère. Bon bah je sais pas si j'étais vraiment un bon joueur à l'époque, mais en tout cas aujourd'hui, c'est ce qui s'appelle une belle défaite.
Alors là, je suis en plus en anglais parce que j'ai laissé la console en anglais. On va quand même essayer de terminer ce stage. Là, je suis encore dans les temps là. Je me suis donné 20 minutes par jeu maximum, histoire de pas faire trop long. Oh là 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 là, c'est quand même. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est le fait que ma mémoire musculaire ne revient pas parce que du coup c'est la fameuse balle collante. Parce qu'à l'époque j'étais plutôt à la souris. Non. Et non, là j'aurais dû appuyer. J'ai pas, ouais, c'est pas ça. C'est pas ça. Mon dieu. Bon voilà, défaite. On va quand même essayer de passer, c'est pas possible. Un paradoxal que je me sentais presque plus à l'aise sur la version rétro tout à l'heure. Pour récupérer les bonus, ça doit être pratique aussi. C'est un coup à prendre, c'est comme tout. Je me rappelle plus exactement jusqu'où j'arrivais. Oula, quand ça s'accélère, c'est pas bon. Oh bah là. Rapide, efficace. Ces trois petites briques là qu'il y a juste de là, tout en bas, sont quand même hyper pénibles. J'appuie sur les gâchettes, non c'est ça, c'est faut que je connaisse aussi les items que je ramasse parce que j'ai du mal à savoir. Oh non, ça c'était vraiment bien joué. Et évidemment la difficulté c'était que ça s'accélère par moment et qu'en plus vous êtes contrarié par les ennemis qui gravitent autour de vous. Je vais quand même réussir là. Si je me concentrais un petit peu aussi. Ouh la vache. C'est pas ça qui me fera toucher les briques, mais c'était tellement couru d'avance que j'allais pas m'en sortir avec ces trajectoires. Et ça y est, j'ai encore perdu, mais décidément. Je vous l'aurais pas vendu comme il faut ce jeu. Hein. Je pense pas que ce soit si dur que ça. Je pense juste que je suis très mauvais. Que je ne sais pas utiliser les gâchettes. Non, mais 3, c'est pas la peine là. Si ça pouvait rester là-haut encore. Et voilà. Moi, je ne peux pas 3. Hein. Je n'ai jamais été capable de jongler. Je serais un très mauvais joueur de batterie. La guitare, je m'en sors à peu près encore, mais c'est à peu près tout. Non, mais pourquoi il faut tout le temps que je. Hop là! Donnez-moi un bonus. Non! Donnez-moi un bonus qui. Voilà, un bonus de 3 balles, c'est ce que je voulais. Bon, c'est pas grave, au moins j'en ai toujours une. Non! C'est un jeu de vicieux quand même. Hein. Allez, plus qu'une, et là ça me paraît quand même mal engagé, encore une fois. Je vous aurais montré 3 stages. Bon, j'ai plus déjà celle qui est devant. Quand l'IA s'en mêle. Non, j'étais persuadé qu'elle allait rebondir dessus. Bien. Comprenez pourquoi j'essaie pas le mode multijoueur, hein, parce que c'est même pas la peine. À moins que je me retrouve tout seul, et là j'ai peut-être une chance, et encore. Je ne m'avoue pas vaincu. 11 minutes. Tout est encore possible. Non. Est-ce que je peux faire. Non, je vais pas faire quitter parce que ça va me faire recommencer à zéro. C'est pas possible. Je suis peut-être juste trop vieux pour ces conneries, hein, comme on dit maintenant. Je n'y arrive pas. Je vous assure que je ne fais pas exprès. Et je vous assure que ce n'est même pas la faute du jeu. Voilà, je pense à moi en me donnant. Il faudrait que ça fasse toute la barre, tout le bas de l'écran, et j'aurais peut-être une chance de m'en sortir. Oh
Ok, donc un peu d'aide supplémentaire. On a pensé que ça fait quand même 10 minutes que t'es là, pépère, va falloir t'aider. Ma dernière vie, encore une fois, donc il y a quand même peu de chances que je m'en sorte. Sauf si vous me donnez la mitrailleuse, éventuellement. Bon, ça commence à s'accélérer, donc ça va plus. Qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré une vie. Quel bonheur. Plus stressant comme jeu en fait. Je me rappelle plus. Bonne utilisation des gâchettes. Je sais pas dans quelle mesure c'est pas un peu pété aussi, si ça peut pas quand même sauver. Parce que ça va pas très vite en fait de base. Donc je sais pas si je suis. J'ai l'impression que c'était plus rapide tout à l'heure avec. Oh, j'ai réussi. Bon, quelles sont les chances que je passe là? Commence à, non pas à savoir jouer, mais au moins à penser à appuyer sur la gâchette, ce qui aide quand même. Je sais pas ce que j'ai ramassé comme bonus. C'est colle, non, si c'est celle qui colle, j'aurais préféré garder l'autre en fait. Et bien voilà, je savais bien que ça allait me coûter cher, juste avec un bonus qui me passe sous le nez. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Et je serais incapable de vous dire si ça vient de moi ou si c'est ou si par grande mauvaise foi, je pourrais dire quand même c'est le jeu, il est pas très maniable. Allez, on va essayer un tout petit peu encore, et puis on passera au deuxième jeu. La balle collante. Oh, elle était jolie ça. Donc à la souris à l'époque, on donnait un grand coup. Allez, là j'ai une chance quand même. Non. Ouais, sauf que. Ah non. Ouh la vache. Il y avait rien de pire hein, à ce moment-là quand on en avait plus qu'une ou deux et puis que ça allait vachement vite et qu'on essayait de. Oh la vache, en plus je croyais que c'était bon mais non. Ouf. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça déjà? C'est pas tout à fait les mêmes stages. Je suis pas sûr que je suis. Hop là. Traverse, c'est bien ça. Ça j'aime. En plus, j'ai toujours la balle collante. Ah non, je ne traverse plus. C'est dommage. Ça va me revenir dedans là. Oups, là. Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non. Bon, je suis pas super fan de la musique. Bon, il n'y en avait pas dans le jeu d'origine. Encore moins dans la version PC 15-12. Mais voilà. On va dire que c'est pas trop stressant, mais ça me porte pas non plus. Je sais pas si la musique peut évoluer justement dans le mode en ligne. C'est pas un peu cheaté comme le truc là, parce que je suis pas persuadé qu'à chaque fois ça touche vraiment la palette quand j'utilise la touche. C'est pas cheaté parce que quand on l'utilise mal, ça marche pas. Hop. Je me dis que l'autre jeu que je dois vous montrer, le second jeu dans l'ordre chronologique, il est censé être bien dur. Ça promet. Je sais pas si j'ai jamais la mitraillette, s'il n'y en a pas, ou si c'est juste que j'ai pas trouvé la touche, mais a priori il n'y a aucun bouton qui fonctionne à part les gâchettes, donc
Allez, allez, allez. On est à 17 minutes. Bah, c'était très gentil de la part du jeu de me laisser. Jamais m'en sortir hein, avec ce qui reste. Ah, peut-être en avoir une, deux. S'il m'en restait deux, je pourrais. Je suis même pas capable de. Allez, non. Non plus. Évidemment. Non, 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 non. Bon. Ce n'était pas vraiment très glorieux, mais vous avez pu voir ce que donnait donc ce nouvel arcanoïde dans son mode solo, hein, qui n'est clairement pas le mode qui est le mode principal, hein, puisque d'ailleurs le premier qui arrive c'est Eternal Battle, que je vais pas tenter parce que là ça va être une catastrophe, et puis surtout le temps m'est compté. Le mode donc en local de 2 à 4 joueurs, hein, ce qui peut être très sympa à mon avis si vous avez assez de pads, mais là comme en plus on est sur un jeu PS4, je suppose que vous pouvez réussir à connecter vos DualShock 4 sur la PS5, allez savoir, enfin si vous jouez sur PS5. Mais voilà, donc c'était Arkanoid, on va passer tout de suite au jeu suivant, et pour vous ce sera instantané bien évidemment. Moi je vais couper l'enregistrement, changer de disque, puisque nous sommes dans des versions boîte, je vous le rappelle, et puis on se retrouve quelques années plus tard, on va partir en 1991. Et me voici donc de retour instantanément avec un second jeu, un jeu qui est qui signe le retour d'un titre sorti à l'origine en 1991, je vous le disais à l'instant, qu'il est sorti d'abord en arcade, me semble-t-il, avant d'être adapté sur tout un tas de machines. Moi je ne crois pas avoir découvert la version arcade à ce moment-là. Je vais peut-être même baisser un peu le son parce que ça m'a l'air assez violent comme fond sonore. Voilà, donc Joe & Mac, on n'a plus de musique évidemment quand je coupe le son. Et Joe & Mac qui a donc été développé à la base par, alors à l'époque je disais Data East, mais il faudrait dire Data East maintenant, toujours en anglais parce que la console est configurée en anglais, hein, je vous rassure, hein, le jeu est évidemment disponible en français, et donc qui est sorti donc après sur Amiga 500 me semble-t-il, ça devait aussi être disponible sur MS-DOS, mais je pourrais pas vous dire dans quel état. Après les consoles y ont eu droit, la Mega Drive et la Super Nintendo au moins, il y a peut-être même eu la Game Boy, je me souviens plus exactement, je ne crois pas y avoir déjà joué, ou alors si j'y ai joué c'est chez un camarade de classe à l'époque et j'en ai pas forcément gardé de souvenir, mais le nom en tout cas ça m'est resté, et je pense d'ailleurs que c'est parce que je n'y ai pas joué mais que ça me faisait très envie puisque je ne jouais pas sur Amiga 500 et que je n'avais pas de console à cette époque-là. On retrouve au niveau du visuel quelque chose qui rappelle peut-être un tout petit peu ce qui a été fait sur Astérix et Obélix et il y a quoi, déjà un an maintenant, peut-être même un peu plus. Et c'est normal parce que je crois que c'est la même personne qui est au crayon et qui s'appelle Philippe Dessoli et qui s'en occupe. On a deux versions, donc on a la version arcade et on a la version extend. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais peut-être pas la tenter. On va changer la langue, tiens. Hop. Voilà, on va prendre le français. Ou pas. Valider. Et c'est ce jeu dont mon camarade Régis Monterrain, donc, que j'évoquais déjà tout à l'heure, a dit qu'il était particulièrement difficile. Et que pour le moment, comme il ne dispose pas de niveau de difficulté, rend l'expérience assez frustrante. Donc on va faire une nouvelle partie et on va lancer aussi le chronomètre comme pour tout à l'heure pour faire un maximum de 20 minutes en espérant que je sois moins mauvais, même si du coup je m'inquiète un peu de savoir si c'est possible. On peut jouer à deux, je suis seul donc je ne vais inviter personne. Et on est toujours sur un jeu PlayStation 4. Toujours en version boîte puisque ça faisait partie des jeux donc reçus et non demandés, donc très sympa de la part de Microïd de nous avoir envoyé ça parce qu'il n'y avait pas d'obligation d'ailleurs d'en parler. Je me suis dit que tant qu'à faire, comme j'étais très curieux de les essayer puisque ces jeux parlent à ma fibre nostalgique, eh bien j'allais en profiter pour m'enregistrer avec le risque que ça comporte de jouer très mal et de ne pas mettre en valeur comme il faut les jeux. Donc,
Comment ça marche? On peut balancer des... Ok, on peut balancer des... Des maillets. Enfin, des maillets, je sais pas comment on appelle ça, mais... des quoi? Des masses, des marteaux de préhistorique. J'aime pas trop ce... qui se... Ah ouais, d'accord, ok. Là, on va se calmer, les gars. On va prendre de la vie, hein, effectivement, parce que ça a l'air d'être un peu... Et comment je suis censé... Ah oui, on peut quand même sauter assez haut. Alors, est-ce que le jeu est... D'accord. Est-ce que le jeu est dur à la infogramme du temps d'avant parce que le jeu est court? C'est possible, parce que si c'est resté le même jeu, je ne sais pas si d'ailleurs c'est un remake. J'imagine que c'en est un, mais... Oh là là. Bon, bah lui, il se barre. Ok. Je sais pas si j'ai envie de... Oh non! Ah, j'ai déjà plus de vie. Ah ouais, non, il plaisantait pas, mon camarade Régis, hein, quand il disait que c'était dur. Je vais pas passer le premier tableau. Ok, je comprends le problème. Alors peut-être qu'à 2, c'est plus gérable, encore que à 2, ça dépend avec qui vous jouez. Parce que si vous jouez avec un enfant, j'imagine que c'est quand même pas évident. Est-ce que les bonus restent longtemps? Parce que sinon... Ah, puis en plus, les ennemis respawnent. Ah ouais, sinon c'est pas drôle. Ouais, alors... J'aime bien hein, le truc nostalgique, tout ça. C'est pas quelque chose qui me rebute du tout, d'habitude. Mais quand c'est un peu dur, ça me rappelle le... Hop là, 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 mais ça... Il y en a de partout. Il y en a de partout. Est-ce que je peux te sauter dessus, au moins? Même pas. Toi, j'ai pas le droit. On va prendre de la vie, on va avancer. Hein, parce que... Mais c'est pas possible. C'est toute la planète qui m'en veut ou quoi, là? Non, mais... Attendez, là. Attendez, non. En plus, c'est un boss. Oh là 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 là. Ah, j'ai des... Boomerang, j'imagine qu'il n'y a pas de checkpoint, hein, je vais recommencer à zéro, parce que sinon c'est pas drôle. Et oui, ah, je suis pas sûr que je vais tenir 20 minutes là par contre, les chers amis, ça va être un peu compliqué là, parce que c'est le genre de truc qui m'agace un peu rapidement. C'est-à-dire que je... Oui, quand j'étais jeune, quand j'étais petit, quand c'était la norme, je pouvais accepter ce genre de choses. Le niveau a effectivement l'air très court, hein, puisque... Peut-être qu'en s'organisant un peu, ça peut être jouable, mais alors le truc qui revient derrière, non, c'est pas possible, quoi. Laisse-moi tranquille, quoi. Ok. Et sinon, c'est visuellement, c'est pas aussi sympa, je trouve, que Astérix. Mais je trouve ça relativement réussi, quoi. Bon, après, il y a un côté, ça manque un petit peu de... Là, tu veux pas avancer un petit peu, s'il te plaît? Merci. Alors, si je faisais attention, peut-être aussi. Hein. C'est peut-être ça l'idée. Hop là, non. Voilà. Attention, c'est... c'est... J'ai... Ah non, on va... Comment je descends? Ah. Mais j'arrive même pas à le toucher. D'accord, ok, je suis mort. Je pense que je vais... Voilà, je pense que je vais pas jouer très longtemps parce que... Continuer, oui, je... Ah, il y a des continues quand même. Non, je peux pas. Non, bah continuer, c'est juste recommencer à zéro, je suis pas très intéressé en fait. Quelle drôle d'idée de faire un jeu aussi... aussi agressif. Alors bon, j'imagine que les vieux de la vieille qui ont joué, ben, ils seraient pas contents que le jeu soit trop facile, hein, je suppose. Mais bon. Je comprends ce que mon camarade disait dans son article. Même en étant, voilà, je suis pas contre les jeux difficiles, hein, mais là ça me paraît inutilement hard et pas très... Sans déconner, quoi. D'accord.
Bon, bah voilà, hein, autant je pourrais envisager de vous conseiller Arkanoid, autant là, non, quoi, non, juste non. Je suis bien désolé parce que bon. Voilà, une sorte de fantasme contrarié de ce jeu, peut-être qui me faisait rêver enfant et que auquel j'espérais jouer et qui malheureusement peut-être m'aurait déjà rendu fou à l'époque, hein. Mais là est assez difficile à appréhender à mon âge avancé. Non, mais c'est pas la peine de faire venir des gens tout le temps derrière, quoi. Genre, ça suffit, quoi. Puis alors, les bonus de vie qui rendent pratiquement pas de vie, c'est pas mal aussi, ça, je trouve. Est-ce que je peux descendre, là? Ouais. Ah, d'accord, ouais, ok. Bah ouais, je perdais pas assez de vie, déjà, dans l'œuf. Et je ne peux pas... Voilà, je peux pas tuer l'ennemi quand il est dans la pierre. Donnez-moi un œuf sur le plat, s'il vous plaît. Okay. J'arrive pas à comprendre ce que je suis censé faire à part mourir, en fait. 7 minutes et déjà je trouve ça très pénible à jouer. Voilà, après... mais saute! En plus, il saute pas quand je lui demande. Hein. Allez, on va être un petit peu plus méthodique. Peut-être que j'ai pas compris un truc au niveau de l'attaque du dinosaure. C'est certainement ça, puisque j'arrive pas à lui faire perdre de vie. Faudrait aussi qu'ils arrêtent de faire venir des gens de l'autre côté. Je sais, c'était dans l'esprit de l'époque, mais franchement, est-ce vraiment nécessaire que l'hommage aille aussi loin? Voilà, oh purée. Ce qu'on perd comme vie, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Bah ouais, encore un mec derrière, qui arrive de derrière. C'est drôle. Puis la musique, elle est tellement pas en accord avec la difficulté du truc, quoi. Bah montez, quoi, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi? Et voilà, quand il monte, il me fait toucher. J'ai déjà plus de vie. Bon, bah écoutez, hein, ça va être vite, vite vu. Hein, ça va être emballé, c'est pesé. Ça va être... on va pas se faire de mal inutilement non plus. Et voilà. Attrapé dans la force de l'âge. Et bien voilà, écoutez, c'était Joe et Mac, et pour le coup, là, c'est un... Non, je dis non, parce que j'imagine que s'il y avait des continus infinis, peut-être que le jeu se finirait en 12 minutes, mais non, là malgré toute l'affection que je peux avoir pour justement toute cette nostalgie sur laquelle surfe Microids, pour le coup... Bon, dans l'état actuel des choses, de toute façon à la base c'est pas non plus un jeu qui on va dire procure des sensations et un plaisir de jeu incroyable, mais en plus vu comment il nous malmène, ça ferait passer Dark Souls et tous les jeux From Software pour des jeux casual gaming de l'ère Kinect. Donc on va pas se faire de mal plus longtemps. Je ne sais pas si vous, ça vous a convaincu, mais j'imagine que non. J'aurais tendance à vous conseiller dans un autre genre, mais vraiment un tout autre genre chez Microids. Je parle pour des jeux qui reviennent, mais qui ne sont pas de simples remakes, puisqu'il s'agit d'une suite. C'est plutôt intéressez-vous au dernier Cyberia que j'avais testé il y a au moins un an aussi, peut-être un petit peu moins, sur PC, et qui est arrivé sur console là, en fin d'année, me semble-t-il. Ou au moins peut-être sur console de nouvelle génération. J'ai plus trop suivi. Et voilà, si vous aimez le jeu d'aventure, c'est très très réussi, avec une VF qui est très sympa, même s'il y a quelques personnages un petit peu plus caricaturaux. Et pour le coup, c'est à la fois un bond dans l'avenir, parce que c'est la suite des aventures
du personnage principal, mais c'est aussi un petit bain nostalgique dans cette série que pourtant moi je connaissais assez peu, hein, sauf donc de nom, et qui m'avait fait beaucoup plaisir parce que c'était vraiment le point and click un peu modernisé. Là pour le coup, le jeu de plateforme à l'ancienne dans son jus avec un visuel qui, bon, moi me séduit pas plus que ça, hein, parce que la DA m'emballe pas plus que ça. J'aurais tendance à vous dire que, à moins de vouloir vous faire du mal, ça va peut-être pas être le jeu à envisager, et surtout pas pour vos enfants, parce que clairement, c'est pas un jeu pour les enfants. Allez, on va passer au dernier jeu dans une ambiance assez différente, vous allez le voir, et on va donc faire un bond de quelques années en avant. Je crois que c'est 96 que l'original est sorti en arcade, mais on va voir si je me trompe ou non. Et on quitte 1991 pour plonger en 1996 pour l'arrivée en arcade de celui que vous avez peut-être reconnu ou pas d'ailleurs. Ça s'appelle The House of the Dead. C'est arrivé sur Saturn en 98, me semble-t-il. Et ça revient donc dans une version boîte et donc une version remasterisée. Donc dans son jus quand même, j'imagine. Avec 100 pistolets, enfin avec 100 pistolets, 100 pistolets cette fois-ci. Moi, je vous avoue que je n'y ai pas joué en arcade. J'ai la langue qui fourche parce que le son est très très fort dans mes oreilles. Je ne sais pas si c'est aussi le cas de la vidéo, donc, mais je vais assurer le coup. Série que j'ai dû un tout petit peu pratiquer sur Dreamcast avec le deuxième épisode, mais j'avais le pistolet, alors c'était quand même un peu plus rigolo. Je sais pas si d'ailleurs sur PlayStation 5, même si c'est un jeu PlayStation 4, je ne sais pas s'il y a moyen d'utiliser le gyroscope. On va voir déjà ce qu'il propose dans les options. Donc on est dans du rail shooter, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est-à-dire on déplace un curseur et puis on tue des méchants. Il y a du aim assist, hein, qu'on peut désactiver d'ailleurs. Utiliser les... C'est quand même surprenant qu'il n'y ait rien, donc on peut jouer à deux, évidemment. Et on peut même changer la langue, donc on va mettre en français, hein, tant qu'à faire. Mais par contre, il n'y a rien pour le gyroscope. C'est quand même surprenant pour un jeu qui est sorti sur PS4. Vitesse du viseur, ok. Vitesse du viseur, elle est très 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 basse, hein, à la base. Bon, on va laisser par défaut, on verra bien. Est-ce qu'il y a déjà des choses dans la galerie? Alors, même la galerie nous demande de charger un écran. Donc, bienvenue dans la bibliothèque des créatures. Ici, tu pourras... Alors, la police, bon, je sais que c'est fait pour faire un peu kitsch, etc. et faire un peu police d'horreur, quoi, mais bon, quand même. C'est la présentation, elle doit être aussi dans son jus, j'imagine. Tu pourras débloquer, en savoir plus sur les ennemis, blablabla. Ouais, donc évidemment, là, il n'y a rien. Pourquoi pas? Oui, je vais retourner au menu principal et me refarcir un écran de chargement. Donc, continuons la nouvelle campagne. Bienvenue dans House of the Dead Remake. Ce sont pas les façons de jouer qui manquent. Prends le temps de regarder toutes les options. Ok, d'accord. Alors, niveau de difficulté, on va rester en normal avec mode X-Core classique, multijoueur désactivé, et on peut choisir le mode Horde. Ouais, on va pas choisir le mode Horde a priori. Chapitre 1, tragédie. Le manoir du docteur Curien renferme tous les secrets de la DBR. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. J'ai pas le temps de lire, merci. Faut lire très vite. Donc jouons, si on veut pas que je lise. Pas de tuto. J'ai pas regardé si dans la boîte il y avait éventuellement une notice, comme à l'époque, pour me donner les boutons, les touches. Je ne sais pas si je l'ai près de moi. Tirez quand vous êtes prêt. Voilà, c'est pas ultra fluide, hein, pour un jeu de 1996. Voilà, ça a l'air d'aller. Ne tirez pas. Alors je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait pour le remake. J'imagine que les textures sont un peu moins basique qu'à l'époque, mais je ne sais même pas. Oh la vache, attends. Ouais, alors donc
C'est le stick gauche pour diriger la visée. Je suppose qu'il y a un bouton aussi pour... D'accord. Est-ce que je peux recharger ? Avec le rond peut-être ? Zut, je crois que... Merde. Pardon. C'est ça, c'est le rond pour charger et le carré pour remettre les... Remettre le curseur au milieu. Ah oui, on peut les avoir. C'est quoi ces espèces de trucs? Ouais. Ah, je comprends pourquoi il demande hein, de recharger tout le temps, mais le reload. Il est bien prise de tête aussi. Alors, hein, c'est kitsch, hein, ça ne critiquez pas la kitschitude du jeu. Hein, c'est, je sais pas si c'était vraiment totalement voulu à ce moment-là, mais on va dire que les jeux de l'époque, les jeux d'arcade, ne cherchaient pas non plus à instaurer une. J'ai sauvé quelqu'un. Une ambiance de terreur. Merci, c'est gentil. J'ai même droit. Hein. Alors, déjà que c'était pénible. Bon, assez gentil hein, sur la visée. Et j'ai même pas réussi à la voir en explosant le baril. Ah, c'est une frénésie de matraquage de boutons auquel j'avais plus l'habitude. Oh, j'ai oublié de lancer le chrono en plus, mon dieu. Je vais sans doute dépasser. Puis alors là, pour trouver un moment où je serai à peu près tranquille pour... passe mon temps à matraquer la touche rond. Oh, purée. Oui, j'ai vaguement tué quelqu'un. Mais ça me permet d'avoir un trophée, donc c'est... Tout n'est pas si négatif que ça finalement. Tu peux pas trouver des bonus ou une mitraillette dans les vases, non? Ah oui, t'es gros toi. Je sais pas si un curseur un peu plus rapide, ce serait pas un... Oh purée. J'ai fait exprès de viser à côté, bien sûr. Ouais, c'était quand même plus rigolo quand on avait un flingue, parce que quand on faisait des là pour viser la tête, je sais pas, faut être bon, mais il faut avoir un peu de bol. Mais non, on me tire pas dessus. Ça se découpe dans tous les sens. Voilà, si vous bougez pas comme ça, ça va aller. Ils ont tous des tenues assez particulières, on va dire. Ah non! Je vais couper le bras juste au bon moment, je pense. Ah mais non! Mais non! Ah oui, il y a quand même des bonus à tirer dans les caisses. Donc, qu'est-ce que je voulais faire tout à l'heure? Je ne sais plus. Oui, le chrono. Le chrono, j'ai pas eu le temps. C'est trop tard. C'est foutu. Mon dieu, qui êtes-vous? Oui, tu as un weapon, mais j'ai pas eu le temps de voir. Ça va être de gros trucs rouges là.
Je suis censé faire quoi pour me protéger là? Parce que. Est-ce que j'ai une garde? Oh bah il est beau. Ah c'est sympa comme ça. Voilà, on va dire heureusement que c'est pas Joe and Mac quoi. Parce que c'est pas pour la qualité d'exécution que je suis encore en vie. Alors attendez, que je lance quand même, que je relance le chronomètre. On a fait quoi? On a fait un peu moins de 10 minutes là, non? À vue de nez. Donc, chapitre suivant. On va quand même montrer le chapitre suivant, puis on s'arrêtera là, même si ça fait pas 20 minutes. C'est pareil, c'est pas des jeux qui duraient très longtemps automatiquement, vu qu'ils étaient prévus pour l'arcade, et que le but c'était de mettre de la difficulté pour vous inciter à remettre de l'argent dedans, et pas forcément de vous inciter à le faire parce que le jeu était long. Un baril rouge qui n'explose pas, je suis quand même un petit peu déçu. Mais ouais, c'est quand même un peu dommage de pas avoir mis le gyroscope, même si bon, je sais pas si ça aurait été... Ouais. Je sais pas trop comment on peut vraiment jouer correctement avec un pad. Hein. Pour moi, ces jeux-là, ça a toujours été des jeux à faire avec l'accessoire, quoi. Ah ouais. Pourquoi me sauter dessus quand on peut faire une roulade avant et perdre du temps? Donne-moi autre chose que de la vie? Non, rien, que dalle, merci. Juste des points. T'aurais pu me donner, je sais pas, un bazooka, une mitraillette. Le démon, vraiment, c'est rigolo quand même. Mais non, allez. Je passe mon temps à appuyer sur les deux boutons en même temps, la gâchette et puis reload en même temps, parce que c'est... Ah mais non. Oui, bah, excusez-moi, je me suis pris le baril dans la tête. Non, attendez. Non, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer d'augmenter la sensibilité. Allez, soyons fous, juste pour voir. Oh, la vache. Voilà, c'est un petit peu trop. Je sais plus où je suis. J'ai perdu, c'est normal. Donc attendez, non, c'est pas une bonne idée. Je comprends pourquoi il mettait ça. On va mettre ça déjà, peut-être. Ouais, un peu mieux. Un petit truc là. Oh, je t'entends. Finalement, je t'entends, mais je te vois pas. Merci, de rien. Pas tout. Je ne fais pas ça pour l'argent. Il n'y avait pas un truc là? Ok. '96, c'est l'année de sortie aussi de Resident Evil, non? À l'origine, alors peut-être pas chez nous, hein, mais... Ah non! Est-ce que je peux tirer sur les... Non. Reload.
Ah, c'est gentil de mettre sa tête juste devant moi. Voilà, c'est bien. Hop là. Pourquoi je le touche pas? Vous avez vu comment j'ai visé le baril de manière très énergique? J'ai pris des points en plus. Ah, là, j'ai pas pris de points par contre. Merci, de rien. C'est bon. Oh, on peut tout péter, c'est beau. Voilà, j'ai failli péter le monsieur aussi. Il y a une espèce de d'air à la Rita Mitsuko dans cette espèce de rythmique qu'on entend. Ouch. Ok. C'est marrant, hein, c'est... Ah, oh, purée. Ça va être pratique, moi, je vous le dis. Ah, je le touche, hein, vaguement. C'est ça, hein, c'est vous appuyez, c'est très désagréable à écouter parce que du coup on entend le truc qui recharge toutes les deux secondes, mais vous appuyez sur les deux en même temps parce que sinon c'est pas, c'est juste pas possible quoi, de garder le compte. Ah, est-ce qu'il y a un accessoire qui existe? J'en sais rien. Ça m'étonnerait. Je les imagine mal sortir. Un accessoire console sur chaque campus support sur lequel éventuellement le remake est sorti. Mais ouais, sans le pistolet, c'est... Même m'a touché. C'est ingérable de viser correctement avec un viseur comme ça et un stick. Bon, je suis pas sûr que ça aurait été mieux avec le gyroscope, mais quand même ça aurait été la moindre des choses de tenter. Bon, après, il faut aussi reconnaître une chose, c'est que je ne suis pas un fervent adepte du rétro gaming, même si là, c'est une version quand même un petit peu retravaillée de l'original, et que ben, c'était la même chose pour Joe et Mac, mais les gens qui sont à la fois attirés par le rétro gaming mais qui ne veulent pas toutes les contraintes qui vont avec, hein, le fait de devoir avoir les machines etc. Ou de jouer avec des jeux qui sont peut-être un peu encore plus datés visuellement, hein, comme c'est le cas pour Joel Mac par exemple. Mais bon, d'une manière générale, je pense quand même que un jeu comme House of the Dead, il avait surtout toute sa dimension intéressante, ça venait du fait qu'il fallait viser avec un flingue. Et que bah, tous ces rail shooters, qu'on y ait joué sur arcade ou sur console, bah, on n'avait pas quand même la même expérience si on n'avait pas le matos qui allait avec. Et bon, là, je pense que ça serait vraiment aux nostalgiques du jeu original qui voudraient y rejouer pour revivre ces séquences qui les avaient fait vibrer peut-être à l'époque. Mais je trouve que voilà, on perd ce qui est quand même le sel du truc. Et c'est un petit peu dommage. Toujours est-il que pour moi, ça s'arrête pour cette vidéo. Il me reste un jeu Microids qui faisait partie des colis que j'ai reçus pour Gamerside, mais qui rentre pas dans la catégorie un peu jeu nostalgique. Donc j'en ferai une vidéo à part.
Et écoutez, merci d'avoir eu le courage de tenir jusque-là, hein, parce que ce ne sont pas forcément des jeux qui vous intéressent, j'imagine. C'est édité, je le rappelle, par Microïd. C'est disponible en version boîte pour les gens qui sont attachés au temps passé dans tous les sens du terme, à la fois pour les jeux, mais aussi pour la manière de les obtenir. Et puis, bah, jusqu'à la prochaine fois, je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très bientôt sur Gamerside. Salut tout le monde.